Là, si vous avez squeezé le handball pour ça, les amis, au CERT, il y a une médaille, c'est une médaille d'or. Hein. C'est de l'or. En prime, là, qui se joue. Oui, oui. C'est son mec qui est en finale et elle qui se tape l'or, c'est ça? Ouais, mais tu sais tout, toi. Moi, ce soit l'inverse. Non, tu sais tout, hein, je vois ça. Mais... Qui se tape l'or? Là, elles s'en mettent plein la poire. Les filles ont gardé le casque, Jacques. Par contre, ils ont enlevé le casque aux hommes pour. Ouais, ils ont pas le temps, hein, après le. Avoir à allonger les enfants, rentrer du boulot, faire le ménage, se faire belle encore pour monter sur le ring. Elles n'ont pas le temps d'enlever le casque de la moto et elles n'ont pas des gros budgets, elles sont toutes à moto. Et donc elles sont obligées, c'est réglementé, elles peuvent garder le casque. Ben merci Jacques, parce que certainement beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi elles portent un casque qui ne les met pas tellement en valeur. Eh bien vous avez la réponse, merci. Merci Jacques. Et pendant ce temps-là, sur le ring, s'en met plein la poire. Oh oui, heureusement qu'elle la loue, hey, parce que c'est le ring, c'est le swing. Vas-y, protège-toi derrière l'oreille. Wow. C'est le ring, c'est le ring. Visiblement, ça n'est pas terminé, il va rester encore. C'est le ring, c'est le swing. Ding, ding, ding. Oh yeah. Ding, ding. Oh yeah. Ding, ding, ding. Le match is coming, sur quelle chaîne, Roger? Sur la même, mais tu vois, ils nous mettent les deux. Sur la même. Ah ouais, là on est bien là. Moi, je veux pas. C'est pas grave, on a eu un peu de boxe, ce fut la boxe. Oui, mais s'il laisse ça comme ça quand même, moi, l'ophtalmo, il va me coûter cher. Le big box, on a de la chance, on a une réalité augmentée grâce à notre télé augmentée. Eh bien, c'est très bien là, ça se part très bien. Moi, ce qu'ils nous proposent, d'aller sur une autre chaîne pour voir ce match. C'est possible aussi, ça m'étonnerait pas. Oh là, quel bordel! Ring ring. Nous changeons, nous partons tous ensemble sur la 19, venez avec nous, ring ring. Hey, ouais. Ring. Ring. 19, oui ou non? Parce que c'est le basket. Ah, nous commenterons peut-être possible, après. C'est pas possible. France O, c'est des rediffs. Oh. Non? On revient sur le 14 à 14, c'est le foot. Eh bien écoutez, on va suivre ça entre le foot, c'est la finale de foot, hein, féminin. Il y a de tout. Quand ça? Ben là. C'est merdier ce truc alors. Il y a tout le temps. Il y a tout en même temps, oui, mais on ne peut pas, vous comprenez. Soit vous nous choisissez quelque chose et on s'y tient, soit on fait autre chose. Non, c'est pas le même métier, je veux dire. Tout ça parce que les handballeurs français ont déjà beaucoup de résultats, ils sont déjà un petit pied déjà presque en finale. C'est quoi ce bordel? Bon, en tout cas, on apprécie que cette boxeuse française soit manifestement bien en place dans cette finale. On nous prévient que ça a repris. Hein. Oui. Oui, on en reprend, on essaye, mais sur voilà. Sur quelle chaîne ça a repris? Non. À 14, alors je vais pas essayer. Non, c'est bien là. Tu es chaud, hein, Jacques? Mais je trouve que ça traîne un peu quand même. Hein, pour. Non. Jusqu'à la 14. Risquons. Et ensuite, tu me pardonneras. Pardonne-moi, Jacques. Je ne savais pas ce que je faisais. Oui. Jacques s'en va, hein, je vous le dis. Oh, le coup de micro. Ah oui, le studio est petit. Le studio est petit et quand ça passe, là, tout tombe. Pendant ce temps-là, les jeunes filles s'en mettent plein la gueule sur, bien sûr, sur l'écran. Hein, pas sur le vôtre, mais sur le nôtre. Vous voyez juste quelques trucs qui bougent, mais... Elles s'en mettent ce qu'il faut, moi je te le dis, Jacques. Bravo. 26 secondes, 24, est-ce que c'est le dernier round? Non, on ne sait même pas plus là-dessus. Non, on sait que c'est là. Hein. Là, on le voit et on suppose qu'après, ils vont vite basculer sur le match de l'équipe de France de handball. Mais là, on est en train de louper ce qui fait la saveur du match, je veux dire. Le cœur du match, Jacques. Là, la reprise de la deuxième mi-temps, là saveur, où tout se passe. D'accord. Oui, là, il nous... Enfin, on en a commenté beaucoup d'autres, hein, des matchs de handball. Je comprends ce qu'on voulait dire. Et voilà, c'est terminé. Et visiblement, elle l'aurait remporté, la jeune sportive et boxeuse française. Et pendant ce temps-là, un but est marqué pour l'équipe tricolore de handball. Merci. Ouais, Jean-Loup. Ah, il y a déjà 18-14 du côté français, avec un petit pénalty à suivre. Oh, mais c'est pas mal. Et des Allemands aussi. Badaboum, c'est arrêté. Guigou double. Joli coup. Un bel uppercut dans le gardien allemand. À moins que ce soit un superbe ballon dans la poire de la chinoise. Bien ici, en direct de partout, nous sommes partout, nous sommes à la boxe. Nous sommes au handball. Oh. Alors, allait-elle remporter, Jacques? A-t-elle la médaille d'or? Je ne sais pas, le verdict va tomber. Ce serait notre première médaille d'or. On va avoir
en direct. Tombé de très haut, on le voit. Jackie, vous penchez pas, Jackie, parce que là, ça pourrait être dangereux. Pendant ce temps-là, sur le terrain hein, de handball, les Allemands se baladent, essayent de se balader, mais la défense française veille. Rassurez-vous, ouais. Nous surveillons tout. On attend le résultat donc de la boxe, c'est ça, contre la chinoise. Et oui, parce que là, c'est pas des buts marqués, là, c'est des points comptés par des juges, donc tu ne sais jamais trop exactement si. Ouais, ils donnent le résultat quand même à la fin, un petit peu quand même, c'est un peu plus clair, beaucoup plus clair même que. Les Olympiades précédentes, il y a eu des réformes dans tu vois, l'IFB. Attention le verdict. C'est la première fois que nous faisons ça. Attention le verdict. D'un côté, la Française en hein, maillot bleu, tout en rouge. La ouais. Chinoise. Ouais. Qui va l'emporter? Qui est championne du Olympique? Qui est la médaille d'or? Oh, la Française. Les Français, que j'étais naze. Ah, comment ça, j'étais naze, monsieur? Pas du tout. La Française, c'est les Français, c'est les championnes de l'Olympique. Championne olympique, elle est. Waouh, le rêve. Oui. D'une Française de tous les jours. Estelle, chapeau Estelle. Bravo Pépette. Championne olympique. Étoile de la boxe. Oh là, tu lui as mis un tir dans tout le monde. Allez-y doucement avec les jeunes filles, même quand elles sont boxeuses quand même. Allô. Eh bien, remportez, vous n'êtes pas content, je le sens, Jacques, ça vous fait chier. Hein. Non, non, Estelle est fun et on se fait une bouffe. Bon, on revient en handball, s'il vous plaît. On se fait des bouffes, même. Elle a gagné, elle a gagné. Wow. On se file, ouais. Bravo, Estelle. Ouais, championne olympique, ça veut dire la médaille d'or, ça veut dire 35 000 euros offerts par le gouvernement qui est généreux sur ce coup-là. Ça veut dire, à un moment donné, d'où ils sortent les pognons. Tu sais combien ça a coûté, ces Olympiades? Un milliard. Ah, parce qu'ils ont annoncé, non, ils ont annoncé le montant qu'ils donnaient à chaque médaille. Quand même. Ah, oui, tu veux dire le budget français. Ah, oui, le budget. Le budget. Ah, les Templeurs, effectivement, l'émotion, personne, un peu tout lâché. Personne vient la consoler, personne vient la prendre dans les bras, personne elle est toute seule comme ça, dans son bonheur. Et on a vu, mais qu'est-ce que ça veut dire? On a aperçu son mec, Tony, et on peut aller au hand, hein, quand même, parce que bon, on a un peu les glandes balles. Là, quand même, merci. Ah oui, deux glaçons. Il n'y a plus que ça à faire, de toute façon. Parce qu'on n'y quand même pas, hein, on n'a toujours pas au hand. Non, ça va, oui, la médaille avec, c'est ça le... Je zappe, je fais... Ah, merci, ouais, c'est sympa, 14-20 pour les Français. Waouh. C'est fini, hein, ce soir, quand même. En tout cas, les Germaniques plantent gain. Et c'est bonne. Oui, c'est bien. C'est bien, c'est bonne. Bonne ça, nouvelle. C'est bonne, c'est bien bonne. C'est capital pour les Allemands de marquer maintenant. On voit ça. Jean-Louis, merci. Enfin, quelque chose un peu de handball dans cette... Voilà, les kikis. Bon ralenti, ça fait plaisir. Quoi que pour les... comment on les appelle? Les téléauditeurs, comment on les appelle, les gens qui regardent ça, ce qu'on retransmet? Là, c'est difficile à dire. Les enchaînés. Ils ne voient pas ces images, donc ils ne savent pas quel sport c'est, finalement. Hein. Pour eux, ça ne change pas grand-chose. Voilà, oui, pour l'heure, effectivement. Ouais. Oui, mais s'ils suivent la retransmission, normalement, nous nous calons sur une chaîne et nous ne bougeons pas. Normalement, nous prévenons, mais en l'occurrence, nous sommes bien sur la 3 depuis tout à l'heure sur ce match de demi-finale de handball. Hein, c'est On essaye, on essaye. Voilà, par contre, nous allons avoir l'interview, maintenant l'interview en direct de la championne olympique française qui vient de remporter son match, qui est sous l'émotion bien évidemment, mais on va pas vous faire, on peut pas vous les faire, on voit compte ce qui se passe réellement. Elle vient de faire 4 rounds, elle est épuisée, l'autre arrive. Non, elle est pas si épuisée, puisque regarde, elle répond quand même. Oh oui, mais regarde l'émotion, les larmes coulent le long de ses joues. Voilà. Des choses que j'aurais oublié, des années de jours que ça a été, j'ai eu plein de choses. Je tiens vraiment à remercier mon entraîneur, Karim Adjir. Sa femme a eu un enfant aujourd'hui, il est un nouveau papa et Victor, c'est pour lui, pour tout le sacrifice qu'il a fait pour moi, merci beaucoup. Ah oh bah dis donc, une naissance et une renaissance. Oui, puisqu'elle s'est arrêtée, hein, elle était compétitive il y a quelques années, puis elle a fait un enfant, une enfant, puis elle est revenue, puis elle est là, puis ce fut ça. Zbortaz. Allez, oui, mais Jean-Louis, pour moi. Ouais, non, mais l'interview, c'est bon, oui, c'est bien, je comprends toute cette émotion que la France veut faire partager. Bien oui, t'as raison, Jacques Merle, après tout, moi aussi. Ouais, okay. Ah oui, ils veulent faire partager, mets-leur un peu de mots de cette championne, allez Jacques, ils veulent des mots, ils veulent... Merci beaucoup, merci d'avoir encouragé. Voilà, ils veulent la phrase, regarde, tu vois le public, écoute le public comme il est heureux. Alors quoi, on me demande le score, le time shift 19-14, ça repris, on me dit tout, quelqu'un nous surveille, il y a quelqu'un qui nous surveille. Hein?
Mais il y avait 20 quelque chose. Il y en avait 14. 20-15 désormais. 15 en plus. Alors maintenant, on a 4 images. Tout à l'heure, on en avait 2, maintenant, on a 4. Ouais, excusez-nous, mais... Ah, on a un présentateur pour vous. On a une tête. Ouais, ouais. Ah, il est parti. C'est dommage. Oui, on essaie d'attraper le présentateur au vol de l'image. Nous c'est volons difficile. Au secours de l'image, au moins que ce soit. Au secours, l'image tout court. Pendant ce temps-là, il y a 8 minutes apparemment. 8 minutes 48 jouées en seconde période. Oui. Et 20 à 15 pour l'équipe de France, mais il y a eu un choc terrible. Voilà, ah bon, il y a eu un hélicoptère qui semble-t-il. On entend, écoutez. Je mentais pas. Je vous mentais pas. Oh, c'est la porte. C'est un drone. En fait. Pas très bon, pas tellement drone. Ça fait peur. Ah, tiens, bah si, moi j'ai trouvé ça très drone. 20 à 15. Un score sans appel, pelle, mêle. 15 à 20. C'est la raclée allemande cette fois-ci. Allez, ils rentrent avec une configuration offensive puisqu'ils sortent le gardien et ils mettent un joueur de plus sur le terrain. Ouais. Radio 20-15, c'est bien, ce sera 20 peut-être que ce but, même pas but. Ah, il s'est approché à quoi, 30 cm de lui, le but, oui, en contre-attaque, même plus besoin. C'est ça qui est magnifique. 21-15, les Français prennent le large. Allô, allô, plus. Et rebut! Et rebut! Cette fois-ci, du gardien! Ils en prennent de tous les côtés! Je sais pas si c'est une très bonne tactique finalement, hein, de laisser sans gardien. Plus 7, poussette, et yeah! Oh, gardien! Bastos! Oui, mais c'est ça! À 15 pour l'équipe de France, vous ne rêvez pas! Yes, les Germains sont debout, mais on se demande comment. Oh, vous ne dormez pas. Bastos, quand même, c'est rentré pour les Germains. Ouais. Ça fait plus 6. Le cousin Germain, hein, Jacques. Ah. Le cousin Germain. Ils ne sont pas tous Germains, il y a aussi du... Oui, bien sûr, le cousin Peter aussi. Bien sûr. Petit but tranquille, 6 d'écart avec le ballon en main, 10 minutes 11 de jeu déjà dans cette seconde période, mais alors tout va. Mais alors c'est pour ça que tu mets cette petite musique à, hein, tranquille, là, comme si tout était. Non, bah, facile. C'est pas si mal quand même, plus 6 en possession de balle, domination, écœurante des Français. Non, le moral en pleine lucarne. Ah ouais, ils arrivent à trouver des combinations, des ouvertures, des espaces, ils sont parfaits. Ils sont monstrueux. Je rappelle que c'est une jeune équipe en construction, l'équipe d'Allemagne, elle se rebelle. Yep, une bonne réponse allemande, Il est surtout venu lui mettre un bon tampon, tu vois, pour lui rappeler que lui aussi quand même, regarde, il va droit dessus. Cologne. Il est Cologne. Ah oui. Très bel atterrissage du ballon dans le filet. Tout est prêt, bien évidemment. Tout est prêt. Je vous rappelle que tout est prêt. Vous pouvez y aller. Tout est prêt. C'est à vous dans quelques instants. 5 secondes. Tout est prêt. Tout est prêt. Attention, tout est prêt. 5, 4, tout est prêt. 3, tout est prêt. Stop. Même. C'est un temps mort demandé par l'entraîneur Germanic. Qui va certainement essayer de remonter ses troupes, bien évidemment. Il est remonté du côté de Charleville-Mézières, où il semblerait qu'il y ait une petite faille dans la défense française. Un appel est possible, je répète. Temps mort. Temps mer. Et on remonte pas le moral, on remonte juste l'attaque. Oui, c'est ça, les dernières petites... Peut-être s'amuser plus. Le petit détail, faites attention les gars sur la droite, de temps en temps vous êtes un peu léger. Pas fait de 2 minutes. Mais oui, on remonte en short, pas quoi, ce soir. Quoi. Monsieur, n'oublie pas la baguette. Voilà. Même... Oh, quelle bataille pour El Ballon. Oui, les images difficiles à voir pour vous, mais...
quelqu'un s'occupe de les capter. Et un jour, peut-être, vous verrez tout ça réuni, le son et l'image. Avec le vrai logo Sportaz. Et des belles images. Ah ouais, putain, arrête, ça y est, je me... Oh, Sportaz. Arrêtez de chanter, les mecs, vous foutez le merdier sur le terrain, là, ouais, la glissée et tout. Non, non, arrêtez. Là, ça bouge enfin. Les Allemands ont décidé d'aller salement, vite, très vite. De prendre un maximum de risques pour recoller au score, peut-être sa glissade aussi. Ah, ouais. C'est la contre-attaque allemande après cette glissade de Captain Cara. Princesse Karabatic. Ouais. Captain, hein, quand même. Captain. Ouais. C'est vous rapporter. Ça fait beaucoup, ça charge dans le protocole. Mais pendant ce temps-là, le défenseur allemand demande à tout le monde de se réunir, à tous ses panzers, de venir autour de lui et de faire les clous. 12 minutes à peine à jouer, hein, on va dire. Oh non, 18. Hein, encore, 18 encore à jouer. Ah Jacques. Oui, pardon, c'est l'envers. 18 encore à jouer, par contre 5 buts d'écart, vous voyez, vous voyez quand même ça là. Ça sent pas la prolongation là par contre. Pour l'instant non, et finalement non, regardons bien, cette équipe de France a une certaine quand même marge, je veux dire, par rapport à ces jeunes Allemands. Les margeaux. Et devrait s'en sortir allègrement avec Jean-Pierre Comte. Jean-Pierre Comte pour Pierre-Henri. Pierre-Henri Duval qui récupère la balle. Ah oui, c'était Albert avec un petit rebond, c'est bon. Mais ils arrivent à tirer quand même malgré les bras adverses, les corps adverses, le gardien adverse. Et ils arrivent quand même à passer le ballon, c'est terrible. Hein. Quelle dextérité. Et le ballon récupéré gentiment. Quel été ici. Doucement. On a les glaçons. Ouais, ouais, c'est mal joué de la part de tout le monde. Merci Jacques, les glaçons, le ventilo. On aurait préféré hier soir, il y avait plus de filles sur le dance floor, mais là, ce soir, on est quand même dans l'effort. Ouais, dans l'effort. Pas dans l'effort. Elle danse l'effort. On voit ça. Au ralenti Jean-Louis. Ouais, il est tombé, ou tant pis. On voit ça. Ouais, au ralenti Jean-Louis, il est tombé, tant pis. Groovy. 24-18. Respire mort. Reste-toi groové dans le match. Sportaz. Plus. Sportaz. Plus. Sportaz. Plus. Un pour les Germains. Ah oui, un de plus, attention, on se laisse aller, on fait les malins sur le dance floor là, mais on surveille plus la cage. On reste à plus 5 pour les Français. Yeah. Qui quand même domine le jeu. Oui, hein. Oui, coupe la musique parce qu'ils ont l'impression de déjà fêter la victoire. Et c'est pas bon du tout, non Jacques, merci. Non, pas comme ça, On m'a dit de couper. Ah non, non, baisse, descend. Couper, on m'a dit couper. Fais-moi un fondu enchaîné, merde. Coupe. Alors, j'ai une information cruciale. Jenks. Il se représente. Glouz. Qui ça, Glouz? Je ne connais pas Glouz. C'est pas lui dont je parle. Franz. Vous n'écoutez rien à ce que je vous dis. Attention, c'est tir allemand, le tiraillement. Il l'a mis dedans, en tout cas, c'était Kun. You Kun. Cancun. Ah oui, grand coup lui surtout parce que là, qu'est-ce qu'il y a mis. Ouf. Ah, il s'élève à combien, 2 mètres, 53 mètres, Jacques, 3 mètres. Il frappe c'est de... pas du but, c'est de l'obus. Ah, c'est vrai, pas de pétanque aux Jeux Olympiques, je te le rappelle. Toujours pas. Et non. Pourtant nous militons, hein. Nous avons envoyé un courrier officiel à la CIO. Oui, mais le temps qu'il arrive. Los del Francia qui est tombé dans la zone, et c'est la contre-attaque des Germans. Germans a plus 5 pour la Francia, plus 5. Et intervention des arbitres. Oula. Voilà, là, non, on a dépassé la mi-temps de la mi-temps. Ça y est, cette fois-ci, mais attention, ça se tend. Mi-temps et temps, ça se tend. Non, tu vas voir, il y a une altercation entre l'un et l'autre, là. Ça va être terrible. Oh, Chocos. Il lui a mis le Chocos. Chocos, là. Oui, vous ne le voyez pas, mais je vous le dis, il y a mis un Chocos, mais non, terrible. Oui, il râle, l'entraîneur allemand, parce qu'il n'a pas l'habitude. Ouais. Germant. L'entraîneur germant. Ils ont dû oublier le i quelque part. Il y a un hic. Ballon français, vite. Ah ouais, la base. Ouais, du côté de Cointreau. Dans le coin. Ah oh, oui. Oh, sur quoi il a tiré. La babare. Hein. Oh, là, on ne peut pas récupérer. Hein. Le ballon revient, mais on ne peut pas le récupérer. Il a tiré dans babare.
On dit n'importe quoi, tout le monde, il y en a qui dit ouais, ok. La combinaison était belle, mais là, et donc, la frappe confirme, c'est le premier tir raté par Nicolas Karabatic qui était sur un splendide 4 sur 4. 7 sur 7, c'était l'émission, hein, monsieur. Oui, ils ont pompé, 4 là. Sur 4, ça n'a jamais. En plus, on est sur la 3, hein, donc vraiment, ils ont tout faux. Oui, on dit 4-4 à la limite, mais là, c'est minable. Là, c'est pas de chance. Mais non, c'est pas de chance, c'est, parce qu'on est vigilant. Sinon, ça serait passé. Attention! Oui, ça circule Cologne à nouveau, Bonne. Il est là-haut, Cologne. Bonne. Ah, attention, Bonne, avec. Avec Francfort. Ouais. Francfort! Non, Francfort. Stuttgart, toi là. Ouais, ce sera une touche au bénéfice des Allemands qui viennent de s'infiltrer dans la défense des Ardennes. Oh, t'as vu cette passe? Ouais. Tu as vu ce petit geste très sympathique. Ah, là, oui, avec un ralenti même qui n'était pas assez ralenti, même Jean-Louis. Ah oui, oui, c'est vrai, pour une fois, aujourd'hui, on râle anti. Il y a plus de gens qui échouent que de gens qui réussissent. Et donc oui, et donc, ouais, finissez, parce que balancer comme ça, c'est un peu. Ça va faire pleurer du monde. Oui, la belle attaque à la main. Attention, mais parfois les gagnants pleurent, hein, on le voit d'ailleurs, de plus en plus, les gagnants pleurent. Sous la pression de la victoire. Oui, l'émotion. Sous la dépression de la victoire. Oups là, Chukov. Ouais, c'est dedans. Et Klugov, bien planté par Klugov. C'est le magasin Chukov. On voit ça au ralenti. Ouais. Regardez cet espace trouvé magnifiquement. Et la balle au fond du filet. Oh, c'est joli. Oh, que c'est beau. Oh, c'est mignon. Et ça nous fait quand même des Allemands qui reviennent à 4 points maintenant. Ouais, Jacques, ouais, attention. Oui, 4 puntos, c'est pas grand-chose. Attention, chose, Jacques. De contre-attaque et on est plus qu'à à peine. Bien sûr, c'est ça qui m'inquiète. Je te préviens, tout à l'heure, j'étais prévenu d'un hélicoptère à arrivée imminente. Ouais. Et là, je sens arriver autre chose. Non, c'est bon, les gars. Ben non, allez à la France. À la France avec Joker. Jean-Pierre qui s'est fait secouer là, qui a perdu le ballon. Jean-Pierre, il faut se relever. Voilà, on garde encore le niveau et on fait un petit peu encore d'un flux pour que la défense reste bien droite. C'est ça. Hein. Merci Jacques pour ces précisions. Car le handball, c'est quand même assez pointu. Quoi? Hein? Attendez. Oui. Oh, doucement. Oh, les plaquages des Néo-Zélandais sont terribles ici. Vous ne les voyez pas, vous, mais alors je peux vous confirmer que c'est vrai. Ils l'entendent. Attention, c'est une balle pour l'équipe de France qui mène. Enfin, qui mène plus 4 avec le ballon dans leurs mains. Et je pense qu'ils se rapprocheraient, les Allemands, que les Français réaccéléreraient. Là, ils le font. Tiens, finalement, ils marquent un but, les Français, tu vois. Voilà. Tu vois ça, toi, cette marge de manœuvre qu'ils ont à disposition, c'est ça. Oui, un petit peu à l'image des Espagnols face aux Français en basket, qui ont pris si cher. Allez, il faut défendre. Il nous reste. Et les Allemands reviennent avec, cette fois-ci, Wilfried. Wilfried qui est tout frais des vacances. Walter. Bien, j'ai le... Oui, oh, quelle parade. Heinz. Quelle parade de Grandier. Je sais pas comment il fait, hein, comment pour parer tout ça, pour arrêter tout ça, pour savoir où va aller le ballon. On voit Heinz qui prend une cuillère. La catch cup, hein, il a pris Heinz. Ou Heinz. Attention. D'ailleurs, c'est Hans Heinz, Jacques. Hans Heinz. Répète, c'est pas facile. Hans Heinz. Le ballon français, la France, oui. Qui le gaga, le goal. On survole un Stuka français, ce coup-ci. Même quand le décalage n'est pas tout à fait évident, eh ben, il trouve l'ouverture pour marquer le but et on s'approche. Oui, parce que là maintenant, c'est le déroulé, parce que dans une minute, ils sont en finale. Ah, pas une minute, ça dure 30 minutes. Ouais, moi, je vois que des 20 minutes maintenant, je ne sais plus pourquoi. C'est du handball féminin qui dure une demi-heure aussi. Ah non, il reste encore une bonne dizaine de minutes, mon cher ami Jacques. Oui, sur basket, on s'inquiète pour le basket. Hein? On a le son du basket. Voilà, on a le son du basket. C'est bon, merci madame, ça ira. What? Ballon allemand avec Gunther. Oui, allez, on va pas négliger cette passe arrière. Et badaboum, on a vu, on a été surpris par l'image. Mais on a vu le but rentrer alors que l'image se décalait au même moment, le but rentrait. C'est ça, hein, on a été un peu détourné par France Télévisions qui envoie le podium. Ouais, pour tout vous dire, ils envoient le podium de la boxeuse française qui est sur la plus haute marche, et c'est bien, c'est très bien pour cette jeune fille quand même. Oui, vous avez droit à la barre Sportaz, la barre chocolatée Roland Garros. Elle est plus que chocolatée, elle est marbrée là, c'est du marbré magnifique, rose un peu. Hein. Sportaz, un produit Sportaz Foundation,
Il a quelques images différentes, hein, disons, ils voient quelques drapeaux qui s'agitent au fond, mais ils ne savent pas ce que c'est. Et oui, nous sommes bien cachés. Bon voilà, c'est la 9e médaille d'or, c'est ça? Oh, je m'en fous. Ah. C'est rare. Combien tu dis? Fric là! Le fric, c'est chic! Hein? Médaille d'or donc pour l'équipe de France. Super. Il va nous balancer l'hymne, je te préviens. Ah non! Ah si, ah bah si, si, si. Mais non, ah mais si, on joue pendant ce temps-là. Et oui, les autres ils jouent, mais ils ont 6 points d'écart. Tout, regarde, c'est l'hymne. On y a droit. C'est l'hymne Dion. Ah! Allons-y, alors. Alors vous êtes quoi? Écoutez, allô, enfants! Allô, stop! La régie! Ça vous chauffe! Ça vous chauffe! Ah. Ça vous chauffe! C'est rare! Allô? Il y a quelqu'un, Jacques, tu es là? Basket! Basket? Comment ça, basket? Oh non, merde! Sportes plus. Oh non, la main. Merci. Bravo. Ça y est, je crois qu'on retrouve le. C'est bien. La 9e Marseillaise dans ces Jeux de Rio. Voilà, tout le monde est content, ça y est, c'est fait. Hein, voilà, hein, on se fait dessus. Ouais, il faut aller se changer maintenant. Allez, elle se pèse hein, quand même à la sortie. Hein, ouais. Parce que, je ne dirais pas le poids, mais c'est pas mal quand même. Ouais, hein, yeah. Joli coup du poids. Ah, regardez ce qui s'est passé pendant ce temps, la bande de cons. Les Allemands sont revenus. Ah non, plus 2 pour la France, même s'ils ont le ballon dans les mains. Allez, dépêchez-vous. Mais attends, on les a laissés à plus 5. Allez, ils sont allez plus, voilà, plus 2, merci, non. Mais faut assumer un peu le service public. Là, vous avez 3 chaînes. Ah, bah, ils tirent quand même aussi. Là, il faut assumer. Oh oui, comment c'est rentré ça? Eh, pénal. Pourquoi non, il n'accorde pas le but? Passage en force, pénal quand même. Hein, ah, d'accord. Et pourquoi il n'accorde pas le but directement? Ouais. Parce, voilà, la sanction est déjà là, elle est suprême. C'est vrai, ça c'est un peu idiot. Ouais. Ouais. Doublement idiot, ouais, même. Ouais. Je pense qu'au foot, par contre, ils ont des trucs un peu con. Ouais, mais profondément là, con. Ils là, ils accorderaient le but. Voilà. Ah, attention, pénal, il y a toujours le risque. Ah, oh, c'est dedans. Oh, qu'est-ce qu'il a mis? Ah là il a dit mon Dieu le gardien. Ah oui, il s'est déhanché et ça. Il a failli finir dans le poteau des cages. Ce fut terrible pour lui. Ouais, lumbago assuré. Ah, lumbago, hein, Jacques. Ah pardon. Il n'y a pas de pommade pour ça. C'est une balle pour les Germano, non. Ouais. Ils l'ont une space. Oh, oui. Là, c'était magnifique. Deux feintes. Qu'est-ce qu'il nous a mis face à face. Comme dans du beurre, hein. Ouais. Comme dans Bunter. Dans du hamburger. Ah oui, regarde ça. Tout le monde est parti sur le côté. Il se retrouve tout seul face au gardien. Bravo. Et il tire. Super feinte. Ouais. Super feinte. Aïe, ils reviennent. Il reste 7 minutes. Ils reviennent. Mais non, il revient pas. Il revient pas non plus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils vont pas nous refaire le coup de, avec Marxis. De la prolongation. Ah, il peut pas reprendre, oui. Messix. Ouais, c'est vrai que le suspense reprend petit à petit, nos amis allemands. Oui, ils redéfendent de mieux en mieux. Oui, de revoir des misères. Et attention, ils sont plus jeunes, ils sont pleins de sève. Franz Kaiser Lautern. Avec Gunther, mais c'est la France qui a la balle. D'accord. Avec Jean-Pierre Courbevoie. Le Bastos qui la récupère. Ah, Aix-en-Provence qui contre pour les Germanias. Aix-en-Provence. Non, Aix-la-Chapelle, pardon. Non, mais non, Aix-en-Provence en Allemagne. Et on voit, qu'est-ce que s'est passé? Oui, c'est lui, c'est un passage en force, à mon avis. Hein. Alors, mon humble avis, c'est un passage en force. Il n'y a plus de frontières. C'est très facile quand tu es caché. Ah, quand on est caché, il faut attention. Hein. Doucement, avec le ballon français. Français, ballon, point un peu avant. Maintenant, il ne faut pas faire le con. Hein. Bientôt, à peine 5 minutes. Hein. On est vraiment quelque chose dans le money time.
On n'attendait pas un resserrement du score en fin de quart de deuxième mi-temps. Non, et puis on surtout à perdre la balle comme ça, regarde. Nous perdidons le ballon et nous perdidons. Non, le gardien français, c'est extraordinaire. Énorme. Il lui a fait tellement peur qu'il en a tiré à côté, il s'est chié dessus. Oh, il a pris le dessus sur les attaquants adverses, ce gardien français. Monumentalement extraordinaire. Regarde ça, il l'oublie. Ah non, c'est lui qui le part. Il le pistait jusqu'à la fin du tir. Il suivait, schlack. En fait, il l'amène à tirer d'un côté comme un serpent, tu vois. Il l'amène à passer d'un côté et là, il le croque. Et confiance. Oui. Oh l'arrêt, mais attends, ça reprend pour les petits Français. Non, intelligemment. Il a pu sauver, oui. Le gardien a sauvé. Toujours plus deux pour les Français, mais c'est. Ça devient chaud. Un temps fort, extra fort entre les deux équipes et ce sont les Allemands qui ont la possession de balle et ça va être très très proche. J'en ai un peu plus, je me mets nu. Très dangereux, je pense qu'il va falloir se changer rapidement. Oui, change-moi. Non, Deutsch. Comment, monsieur? Tu. Quoi? Tu quoi? Alors, soyez corrects. Allemand, dedans. Petit but d'écart entre les Allemands et les Français. Un seul petit point, dans cette demi-finale. Grand Kuhn qui a marqué. Grand Kuhn pour les Allemands qui trouvent le décalage et tout ça. Il n'y a plus de défense, il n'y a plus rien. Bon, prenons la prolongation. Ah non. Non, et oui, il y avait les Américains aussi. Oh là là. Ils sont partout, les Américains en basket. Le ballon est là. La France doit marquer sur ce. La France doit marquer pour marquer son temps et d'ailleurs, ne pas se laisser remonter bêtement comme elle le fait depuis quelques minutes. Et le moral étant à la baisse. Sors un doigt. Oh, c'est encore contré. Oui, mais c'est sort un doigt toujours qui s'y colle. Mais ce sera un pénalty pour l'équipe de France. Ah. C'est terrible ce qui se passe ici sur ce terrain. Et Grigou va sûrement dans ce gymnase se mettre à l'œuvre. Ça a surchauffé, il n'y a pas de climatisation. Il sort le matériel, voilà. Ah oui, il sort le matériel. Allez, pénal pour la Francia et on essuie, regarde, tout le monde vient essuyer le parquet, là, c'est fantastique. Tu sais qu'il y a quand même 15 000 bénévoles qui se sont barrés des Jeux Olympiques. Et sur 50 000, t'as un tir qui a arrêté. D'accord. Tellement ils étaient maltraités, mal récompensés. Mal organisés peut-être, c'est but pour les Français. Donc on revient à plus d'eux, mais à nouveau les Germains pour nous presser. Oui, certes, mais on a toujours ce petit matelas d'un but. Petit mini matelas. Oh, le lumière comme ça. Hein. Sans feinte, sans fioriture, direct, très naturel. Un pénalty bio. Germans, sois poli, Jacques. Germain. Allemagne avec France. Gunther. Ah, c'est France. Reconnaissons. Nous ne nous voilons pas la face. Mais non, ne nous ballons pas la face. C'est quoi? Oui, c'est vrai, la voile, c'est fini. Arrête. 2 minutes et quelques. Ah non, ils ont perdu le ballon. Les voiles ne sont pas terminées. De quoi? La voile. De voile. Oui, hein, puisque le burkini face au. Les premiers. Oui, Jacques, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, balancez tout. Bon, là, on recalcule l'arrivée au port parce que, là, quand même, la navigation est plus difficile. Hein. En pleine mer, la saison a été rude. Le bateau a. Il est chargé, le bateau. Chaloupe n'aura pas. Et donc on lui montrait comment vous rentrez au port, les mecs doucement, vous voyez, il y a le yacht à pépère, là tout ça, vous touchez pas, sinon ça vous dit pognon. Ça oui, on le voit à peu près la tête, là on voit la tête mais on voit pas le yacht. Voilà, 2 points d'écart, 2 minutes et quelques à jouer, c'est une demi-finale de tournoi olympique. Quand même, non ouais. On plaisante, on rigole, on chahute, on s'amuse comme si de rien n'était, mais on se chie dessus. On plaisance. Alors on y va. Oh oui, ils se tapent, tellement ils sont forts, ils se tapent. Les arracheurs de maillots, on les voit là, ils sont invisibles et ils essaient d'enlever le maillot. Attention, les Allemands ont la balle, Jacques. Je t'appelle, les Allemands ont la balle. Aïe, qu'est-ce qu'il reste deux minutes et demie, mais c'est tordant. Pas de but maintenant. Non, c'est très, très... Tant. Attention, oui, il arrête. Le Franz Susan. Boot. Et le temps va tourner un petit peu délicatement, non? Allez, on y va, un but. Il y avait un son absolument... Oh, but. Là, c'est dément, c'est...
Oh, c'est dément, monsieur, c'est absolument dément. Et on voit cette parade une fois de plus de Gromeyer. Eh oui, qui est vraiment le meilleur. Et un pas le meilleur. Que je salue. Ah, ouais. Les cheveux sont blancs, la barbe aussi. Les yeux sont vifs et les arrêts sont clairs. Oh merde. Ah, t'avais prévenu, il y avait un arrêt clair. Ouais. Et là, ça s'était clairement. C'est vrai que ce fut propre. Ce sera donc une balle française, attention Jacques. Oui. On rentre dans les vraiment, dans les on deux rentre, dernières on minutes. Rentre, on est chez nous. Un but maintenant. Là, ce serait bon. Et ils sont en finale. Un but maintenant, ils sont en finale. Ils ont fait presque le plus dur. Ok, Marxis. Tu viens, tu sors. Oui, pas mal pour Balbabalo. Sors un doigt, l'a pas c'est eu. Pas grave, c'est et pas grave. Attention à la contre-attaque. C'est pas grave, on a le droit de le prendre, on a le droit de le prendre. Cette fois-ci, il y a eu non. Non accordé. Et pourquoi? Si. Le méchant qui dit qu'il y a zone, non, non oui, non. Ah, 28-27, un petit point, il ne faut pas trop s'inquiéter, s'amuser, voilà. Les deux, quoi. Il faut essayer de rester tranquille. C'est limite, hein. Il faut aller chercher, ouais. Oh, quel saut. Est-ce que le ballon est lâché avant le pied? Oui. Ah oui, demi-seconde. Sur ce coup-ci, c'est valable. Largement. Yes. Quoi? C'est ça, il y avait une vidéo, une demande de vidéo. Vidéo, kill the radio. Vidéo. Merci les gars. Je vois que chacun a son petit univers. Bien sûr, vert. Musical. Vert. 27-28 pour l'équipe de France. Le ballon. Arrête, Jacques, c'est plus le moment de parler allemand. Tu comprends? Oh, vas-y, tire, mais qui va le prendre? Qui va le faire, le caca rabut? Il cherche trop le pivot. Arrêtez de vous faire mal comme ça. Mais non, il cherche trop le pivot. Ça sent la légalisation. Oui. Ah oui, juste à 1:10 de la fin. Oh, oui. Ah oui, c'est dedans, légalisation. 1:10 de la fin, les duos harmoniques qui nous ont remonté tété. Oui, parce qu'ils ont passé la boxe, tout ça. La remontar. La merde. La remontar. La remontar. Hein? Allemand, ça n'empêche pas d'avoir une autre vie quand même. Non, tu veux qu'on aille faire un tour tous les deux. Merci Jackie. Énorme. Mais regardez-moi ça, regardez-moi la joie, la volonté allemande. Putain de. Handball. Bleu. Il rappelle à tout le monde que c'est eux qui ont inventé ce jeu et qu'il ne faudrait pas déconner avec ça. Compris? Alors que vont faire les Français? Vont-ils sortir le gardien pour mettre un joueur de plus? Il la joue stoïque, monsieur Claude, il en a vu passer, hein, les clients, il en a vu passer du monde, il est pas, c'est pas ça qui va le troubler. Hein. Non, les Barjots, jusqu'à aujourd'hui, toutes ces équipes nationales de handball qui ont tant donné de pâté par le monde, on en a vu d'autres, effectivement, dans ces dernières minutes. Ils sont là, bien droit dans leur basket et dans leur hand. Alors normalement, ils en ont un qui doit tirer pour tous les autres, et non, c'est un arrêt. Ah, c'est un arrêt, ça y est, ça devient très tactique. Attention, c'est maintenant que tout se joue. C'est un anénérif. Tout se joue maintenant. Là, c'est vraiment sérieux, les gars. Tout de suite, c'est un anénérif avec le Mac d'Agascar. Ah, pas de générique. On va se tomber à l'eau, les mecs. Fais-moi un indien, plutôt. Ouais, non, ça discute un peu, oui, juste quelques visages hein, pour vous, quelques visages qui écoutent ce qui se dit, mais vous ne voyez pas les lèvres. On voit que les yeux, marxistes. Et tant que vous ne voyez pas les lèvres, nous ne pouvons pas parler pour vous. Vous comprenez? Non, comme, c'est très sérieux, nous n'avons pas le droit. Mais comme vous le saviez, les lèvres dépassent le maître parfois. Merci Jacques pour cette précision. Oh, oh oui. À l'équipe de France Olympique. 43 secondes à jouer. Et ça pique. 43 secondes à jouer. Égalité entre les deux formations. Finale de tournoi olympique juste au bout, là. Et les Français ont la balle. Mais c'est peut-être la prolongue. Alors? Eh bien oui, là, c'est ce que je te dis. Tandis pour le basket américain. Hein. Oui, tout à fait. Allons jusqu'au bout du but. Ah ben oui, là, c'est la France. Je veux dire, à un moment donné, là, quand ça se présente comme ça, on ne peut pas. Non, il n'y aura pas d'abus. Non, on n'ira pas jusqu'au. Non. Attention, c'est le moment. Sanchez, un jour j'ai misé sur une affaire comme ça, tu vois, et j'ai tout perdu. Allez, on leur souhaite le meilleur aux deux équipes maintenant avec ces Allemands qui sont revenus très très forts et qui ont inversé un petit peu le mental. Et les Français qui doutent. Oui, il faut y aller, il faut plus chercher ce pivot. Là, ils l'ont contrarié, ils le savent qu'ils vont donner. Donc, c'est plus le pivot qu'il faut chercher, il faut qu'il y en ait un qui ouvre son bras, qui ouvre son corps et qui
transperce la défense allemande. Car il reste quoi, 15 secondes 15 secondes, il a fait non. Faute. Again. Oh là là, qui va là faire là ce là dernier là tir, Karabakh. Prince Karabakh. Je ne sais pas, je consulte les as. Grégou. Je vais ouvrir ce canard. Et on va voir de suite ce que nous disent les entrailles. Bouge pas. Bouge pas, petit. Porte à porte. Attention. C'est terminé. Il a mis le goal. Les Français en finale. Oh, incroyable. Qu'est-ce qu'il y a mis, le grand Marxis. Oh. Ah oui, c'est un peu des boules pour les Allemands, quand même, sur cette dernière petite... Malgré leur remontée formidable, les Allemands sont plantés. Eh ouais. Oh, quel but. Marxis. Ah, il aura fait peser de tout son poids et son talent. Ah oui, de son talent surtout. Bien qu'il l'ait marqué de la main. Est-ce qu'on revoit ce petit but, Jean-Louis ? Jean-Louis, ce serait gentil quand même de nous remontrer le but victorieux. Ah, la nouvelle finale olympique pour... On te l'a volé, Jean-Louis ! Balleur masculin qui pourrait peut-être conserver leur titre. Attends, contre qui ? Alors qui retrouverait en finale là? C'est quand? C'est dimanche, là on n'est pas là, non, par contre là. Ah non, là, ah, là, là. Ils ont tant gagné, ils ont tant fait pour le handball, et nous avec. Et nous vous l'offrons pour ce dimanche. Oui, c'est un crève-cœur, mais là il y a quand même d'autres... Voilà. Nous sommes désolés mais tellement heureux pour cette équipe de France, si vous saviez comme mon cœur saigne de joie, mon cœur bat, ils sont en finale. Bravo les gars. Bravo, vraiment, on se félicite, on refélicite aussi. Quant à nous. Alors, vas-y. Plus fort que la promo, quant à nous. Le feu d'artifice, il y a un bouquet final dans les feux d'artifice, c'est demain soir. Voilà. C'est demain soir, on vous enverra la petite vignette qui va bien demain soir. Demain soir, nous commençons à 16h30 et nous finissons à minuit et demi, c'est ça? C'est possible, on n'a pas encore décidé. En tout cas, il y aura de la partie demain, peut-être 16h30, peut-être 20h30, peut-être 22h, peut-être 2. 20h30, on peut considérer, c'est quoi? C'est l'équipe de France, 20h30. Bon, on va confirmer tout ça, mais c'est à suivre donc sur votre chaîne pleine d'émotion. Juste une petite chose, Jacques, si je comprends bien, les deux équipes françaises de handball sont en finale du tournoi olympique. Affirmatif. Merci. Bravo. Bravo, c'est tout ce que je voulais savoir. Il n'y a pas de truc, je pense que ce sont du travail. Des générations, puis c'est un sport qui est très apprécié. Sporta 780 vous serre la main. Et vous dit à demain. Ah, ils sont sympas les gars, vous en voulez encore un titre? Wait a minute, hit it. Allez. Mais c'est ainsi que va s'achever, c'est pas ce but là qu'il faut remonter, Jean-Louis. C'est pas celui là du tout, non. Non, Jean-Louis, tu es mauvais, tu es vilain, tu es méchant, Jean-Louis. Au revoir, Jean-Louis.